Bonjour à tous et à toutes, c'est Seb pour la chaîne Technologie. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à installer un bloqueur de publicité sur Mozilla Firefox, par exemple. Mais ceci fonctionne avec la plupart des navigateurs. Bien sûr, vous pouvez également l'installer sur n'importe quel autre système d'exploitation de Windows. Pour cela, nous allons donc ouvrir Mozilla Firefox et par la suite nous allons taper dans la barre de recherche Adblock plus. Vous cliquez sur rechercher. Il n'a pas bien mis Adblock plus. Vous arriverez donc sur cette page dans laquelle vous allez cliquer donc sur installer Firefox. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de l'installer sur la plupart des navigateurs. Donc une fois que vous avez vu que votre navigateur est compatible, vous cliquez sur installer sur Firefox. Si vous avez des fois cet avertissement qui est qu'un, on va dire, un avertissement de Firefox qui dit que le logiciel tente de s'installer, donc vous cliquez sur autoriser, le téléchargement se fait et vous n'avez plus qu'à cliquer sur installer. À partir de ce moment-là, vous allez avoir marqué en haut de votre écran que Adblock Plus a été téléchargé, enfin a été installé avec succès. Vous pourrez également remarquer que sur votre droite, il y a une nouvelle icône qui s'est ajoutée à votre Firefox. Cette icône-là représente donc le logiciel. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez très bien le désactiver pour un site donné, par exemple pour un site auquel vous ne voulez pas bloquer des publicités. Vous pouvez également le désactiver pour cette page seulement, et vous pouvez également le désactiver de partout, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'était pas installé. Nous allons donc maintenant faire un essai. Vous tournez sur votre, vous ouvrez un nouvel onglet et vous marquez donc test adblock. Tester adblock, c'est pareil. Testing your, moi c'est le premier lien que j'arrive, donc je clique dessus. Et là, on peut bien sûr remarquer que bien sûr c'est OK. De partout. Si je veux le désactiver, dans ce cas-là, je le désactive et dans ce cas-là, il ne sort plus rouge. Je relance. Là, vous voyez que ce n'est pas bon. Donc, si c'est pas bon, c'est que vous avez probablement loupé quelque chose dans l'installation. Voilà, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai le plus souvent rapidement, hein. Mais le plus souvent ça peut se faire sur 2 ou 3 jours. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.